Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment transférer, comment envoyer vos cardonaux de votre compte Elbank ou Binance vers votre compte Nami Wallet. Mais aujourd'hui, pour cette vidéo spécialement, pour éviter d'être longue, on va envoyer les cardonaux du compte Elbank. Déjà, je vais vous montrer comment acheter les cardonaux sur Elbank et ensuite comment les transférer dans votre compte Nami Wallet. Voilà. Mais avant de commencer, les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, sans plus tarder déjà, je vais vous inviter à vous connecter sur votre portefeuille Nami Wallet. Je vous ai montré la dernière fois comment créer son portefeuille pas à pas. Voilà, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, elle va simplement s'afficher en description, tout en haut de la, le lien va s'afficher en notification tout en haut de la vidéo. Maintenant, vous allez simplement vous connecter à votre compte Nami en cliquant sur l'icône là au niveau de la barre des favoris. Vous cliquez sur l'icône qui est épinglée là. Ensuite, vous voyez Receive là et vous allez simplement cliquer sur Receive pour copier votre adresse de réception des cardonaux ici. Maintenant, là, on n'a pas encore les cardonaux. Qu'est-ce qui va se passer? On est dans notre compte Elbank. On va simplement aller dans Trade. Au préalablement, j'ai à taper sur la barre de recherche et vous tapez simplement ADA USDT. Si c'est les USDT que vous avez, vous cliquez sur Buy. Voilà, vous cliquez sur Buy. Ensuite, en fonction de la vidéo, c'est juste pour la démo, hein. J'espère que ça pourra même acheter les 7 dollars là. OK. Donc, en fonction de votre solde, vous achetez. Et moi, vous mettez au niveau de... Vous mettez à Market. Rassurez-vous de mettre Market. Ensuite, vous sélectionnez la quantité du SDT que vous voulez utiliser. Donc, vous pouvez écrire ici, par exemple, 7. Bon, moi, je mets en fonction du solde dans le Elbank là. Je mets 7. Je peux mettre le total. Donc, je peux mettre 100%. Mais ici, vous pouvez modifier en mettant 100 dollars, 10 dollars, ce que vous voulez. Et puis, je mets Buy ADA. Voilà. Vous voyez, ça a mis place successful. Là, on est sur le téléphone. On est sur Elbank. Ensuite, quand c'est fait, je viens dans Wallet au niveau de mon compte Elbank. Et vous verrez que mes cardonaux sont là. J'ai acheté 6 cardonaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement envoyer nos cardonaux, n'est-ce pas? Je vais cliquer sur Withdrawal. Donc, suivez bien. On clique ici sur Withdraw, n'est-ce pas? Donc, je clique sur Withdraw. Excusez. Voilà. J'ai été un peu interrompu parce que sur Elbank, apparemment, les retraits sont suspendus pour un moment. Voilà. Eux, alors, ils suspendent un peu trop les retraits sur les cryptos. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça ne fait pas vraiment sérieux. Donc, voilà, j'ai switché sur Binance pour vous montrer. Mais déjà, l'achat des cardonaux, vous avez vu comment ça se passe avec vos USDT. C'est le même principe sur Binance. Donc, voilà, on va continuer avec Binance pour vous montrer comment transférer vos ADA de votre portefeuille Binance vers... vers votre portefeuille Nami Wallet. Donc, tout simplement, sur Binance, voilà, vous sélectionnez vos ADA, vous cliquez sur Withdraw, send via Crypto Network, via Crypto, send via email, phone, recipient must be. OK, donc, voilà, je sélectionne le premier, donc Crypto Network. Ici, on vous dit Press to Paste. Donc, l'adresse que vous cliquez ici au niveau de Receive, c'est cette adresse-ci que vous allez soit scanner, soit cliquer sur copier ici pour copier l'adresse et aller coller dans votre compte Binance. Donc, ce que je vais faire moi, c'est que je vais scanner. Voilà, je vais scanner l'adresse du portefeuille. Voilà. Donc, voilà, j'ai scanné l'adresse. Voilà. Voilà, ça détecte automatiquement que le réseau est cardonaux. Donc, tout ce que je fais maintenant, je mets quoi? Je vais mettre mes cardonaux. Moi, je vais sélectionner le maximum.
Je vais sélectionner le maximum. Donc, je clique simplement sur « Withdraw ». Je confirme. Je clique sur « Send code ». On va m'envoyer un code dans mon mail. Et ensuite, je vais venir coller ce code-là ici. Et après cela, coller le code de vérification de Google Code. Et après, je vais cliquer sur « Submit ». Donc, « Submit ». Voilà. Après quelques minutes, normalement, on verra nos Cardano dans maximum 5 minutes. On verra nos Cardano dans le compte Cardano. Donc, on en a fini avec Binance. Ok, les amis. Donc, après pratiquement 5 à 10 minutes, vous verrez vos Cardano bien positionnés là dans votre compte Nami Wallet. Quand vous avez maintenant vos Cardano, dans la prochaine vidéo, je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment déléguer vos Cardano avec Nami Wallet. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager. N'hésitez pas à liker pour m'encourager. Et abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!